Bonsoir, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens vers vous avec une vidéo. Je n'ai pas eu le temps avant, j'étais très 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 occupée. Voilà, ce soir un petit peu de temps pour vous faire une vidéo. Alors, l'actualité évidemment est très chargée. Alors, la première annonce, je vais fermer le cabinet quelques jours pour le week-end de la Toussaint. Ça sera du vendredi 30 au jeudi 4 novembre inclus. Voilà, quelques jours de repos. Alors, nous allons maintenant commenter un petit peu l'actualité. Vous avez vu que le pass sanitaire a été prolongé jusqu'à l'été 2022, mais ça, c'est passé à l'Assemblée nationale. Il faut encore que ça passe au Sénat. Ça sera examiné par le Sénat. Le 28 octobre, dans 5 jours. Bon, les sénateurs ne sont pas vraiment d'accord pour une prolongation aussi longue. Eux, ils auraient souhaité 3 ou 4 mois maxi, mais pas aussi long. Donc, on va voir ce que ça va donner, hein. On interrogera là-dessus. Donc un petit peu en vrac, je dirais. Victoire. Alors, je vais prendre. Il y a un mélange en fait de bonnes et de mauvaises nouvelles finalement. Donc je vais vous lire comme je les ressens, comme je l'ai noté. Alors, il y a deux, comment dirais-je, deux mauvaises nouvelles, si je puis dire. Pourquoi je vous dis si je puis dire, c'est parce que en fait, il y a des réactions contre et ça c'est nouveau. La troisième dose, on impose aux gens qui ont déjà reçu les deux doses une troisième dose, sinon pas de vague, pas de passe sanitaire. Et là, les gens sont beaucoup, pas tous, mais beaucoup sont en colère parce que on leur a pas vendu ça. On leur a vendu, bon, il y a une première dose, le rappel. Bon, souvent, le vaccin, c'est comme ça. Vous faites un vaccin contre, je sais pas moi, le DT-Coq. Vous avez votre première injection et vous avez le rappel 6 mois ou 1 an après, et après, c'est terminé. Donc, les gens étaient partis sur la même idée. Bon, on a notre première injection, ensuite notre rappel, et c'est bon. Et voilà qu'on commence à leur dire, il y a une troisième dose. Là, il y a des gens qui toussent. Sans faire de jeu de mots, il y a des gens qui ne sont pas contents. Parce qu'ils commencent à s'apercevoir que s'il y en a une troisième, bah, il y en aura une quatrième, une cinquième, une sixième. Ils ne sont pas franchement emballés. Et du coup, il y a des gens qui ont rejoint la contestation. Alors, la deuxième chose, c'est la levée du secret médical à l'école, donc dans les collèges et les lycées, notamment. Et le gouvernement a fait voter ça hein, comme amendement. Je cite, hein, le statut vaccinal et virologique des élèves sera connu de l'administration, des professeurs, enfin voilà. Donc là, il y a eu une levée de bouclier, réaction contre de la part des proviseurs qui ont un syndicat, UNSA. Donc ils disent que c'est tout à fait hors de propos, hors de question. La FCPE réagit, la Fédération Cornec des parents d'élèves, bon, qui était restée muette, enfin bon, elle se réveille. Donc là, ça commence à tousser, on va dire, hein, à ruer dans les brancards, ici et là. Donc ça réagit, ça commence à réagir. Nous allons passer à la Martinique. La Martinique a vu la victoire des manifestants contre le pass sanitaire. Ça s'est passé au CHU de la Martinique, qui, je suppose, est à Fort-de-France. Bravo à nos amis martiniquais qui ont su se montrer déterminés et qui ont fini par remporter la victoire. Donc, il n'y a plus de pass sanitaire maintenant. On peut aller à l'hôpital là-bas, il n'y a plus de pass sanitaire. C'est ce que j'ai compris. Il y a eu aussi dans Le Figaro, là, ces derniers jours, une tribune collective d'élus locaux, d'une centaine de personnes, qui demandent la fin du pass sanitaire. Donc vous voyez que ça commence à bouger, là, ça commence à bouillonner, à réagir.
Alors, à l'international, nous avons Donald Trump qui ressurgit pendant que Biden s'effondre dans les sondages. Mais lorsque Biden s'effondre, alors évidemment, il a montré surtout sa médiocrité, ce monsieur, et puis ses mauvais choix en Afghanistan. Et Biden s'effondre, mais il entraîne avec lui Fauci. Fauci s'effondre également, c'est-à-dire à tous les sens du terme. Hein, Fauci, comme ça fait un moment qu'il est sur la sellette, mais on a vraiment des révélations de plus en plus précises sur l'origine du fameux virus. Hein, en gros, bon, qui a été fabriqué en laboratoire. Et ce Fauci, ce monsieur santé des États-Unis, il est en lien avec Delfrécy, le grand Manitou des médecins, médecins pro-passe sanitaire, etc. Voilà, donc là, ça commence à l'étau commence à se resserrer autour de ces gens qui vont devoir, tôt ou tard, répondre de leurs actes. Alors, on va tout de suite passer au vif du sujet, pardon, et on va regarder, j'avais déjà hein, regardé, mais voir cette, est-ce que vraiment ce pass sanitaire va être adopté jusqu'à l'été 2022, c'est quand même assez incroyable, puisque les réactions, oh, excusez-moi, je suis fatiguée, les élections sont... ont lieu au printemps 2022, enfin, si elles ont bien lieu, et l'autre, il anticipe déjà, comme s'il se dit, ah, ça y est, c'est bon, je suis réélu, ben non, mon petit gars, ça reste encore à démontrer. Voyez un peu l'arrogance et le cynisme. Mais enfin, je veux dire, basiquement, c'est surtout du gros n'importe quoi. Donc, je me concentre et on regarde pour l'adoption du pass sanitaire jusqu'en 2022. Est-ce qu'ils vont nous le filer, ce truc? Est-ce qu'ils vont nous imposer ça? Bon, on fait le truc en. On fait un tirage en terre renversée. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Ouais, roue de fortune. Ah, c'est très aléatoire, hein, finalement, cette histoire. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Le pendu. Bon, c'est. J'ai peur que ça passe quand même. Soleil renversé. Monde. J'aurais plutôt l'impression. Je ne suis pas extrêmement optimiste sur ce point-là. Tout. Attention! Tout en soulignant la faiblesse de cette décision. C'est un peu comme si ce pass, qu'il soit adopté ou pas, au final, ça n'allait pas changer grand-chose. Parce que le jeu parle quand même de futilité. Bon, le pendu et le soleil renversé me font penser effectivement à quelque chose qui entrave la liberté du peuple. Donc, probablement, ça peut être reprolongé jusqu'à l'été 2022. Mais de toute façon, je pense que c'était entendu, enfin pour moi, ça me paraissait tomber sous le sens que ça serait pas, ça ne se serait pas arrêté le 15 novembre. Pour moi, c'était une évidence qu'ils allaient tenter de faire prolonger ça jusqu'à ad vitam aeternam. Hein, parce qu'une fois qu'on va arriver à l'été 2022, bah hop, on en reprendra une louche. Enfin, mais sauf qu'en 2022, il y aura eu entre-temps les élections présidentielles. Donc, moi, ce que j'en ressors, ce que j'en, je, ce qui ressort de ce tirage pour moi, donc comme je vous disais, c'est probable, mais attention, la roue de fortune et le monde montrent quand même la fragilité de cette mesure. Parce que le monde montre qu'on se libère de ce truc une bonne fois pour toutes, quand même. Je vais les recouvrir.
J'ai un petit doute, je vais le recouvrir. Jugement renversé. Bon, évidemment, tout ça, c'est truqué. Enfin, jugement, ça, c'est l'Assemblée, hein, c'est le peuple, c'est tout ça, c'est les chambres, hein, le Parlement, voilà. Surpendu, j'ai ermite, ça c'est les médecins bidons qui vont dire oh là là, bon, enfin, justement le Delphrécy, tiens, le voilà le Delphrécy, c'est lui. Il est vieux, il a les cheveux gris, pas vieux, il est pas vieux, mais il a les cheveux gris. Ouais, il me semble les cheveux gris, bah c'est lui. Ouais, Butler. Ouais, mais le Butler veut retourner à sa liberté. Le peuple. Il y a des. Il va y avoir. Si vous voulez, c'est comme si y avait. Oh là là, constamment des rebondissements, des. Bon, pour moi, c'est oui, mais ça tiendra pas. Ça peut effectivement être réadopté, mais ils auront de plus en plus de mal à l'appliquer sur le terrain. De toute façon, il faut s'attendre à des troubles, vraiment une espèce de. Un peu comme si on reprenait les choses en main. L'étau se refaire, c'est pas fort, si vous voulez, c'est une mesure qui nous entrave, c'est vrai, mais en même temps qui n'est pas applicable. Bon, écoutez, c'est déjà ça. J'aurais préféré dire non, ça va pas passer du tout, mais franchement, là, j'ai un doute. Je préfère pas m'avancer pour annoncer des nouvelles qui seraient des fausses nouvelles, quoi, je veux dire. Hein. Là, ça serait le comble quand même. Hein. Alors, je regarde parmi les sujets que j'ai évoqués, lequel pourrait marcher. Troisième dose, levée du secret médical à l'école, enfin les enfants en général. On va aller par là. On va aller sur la troisième dose en France. Bon, comme je vous ai dit, il y a des gens qui se feront injecter 15, 20, 30, 50 doses du moment qu'ils peuvent continuer à aller au ciné. Hein. Regarder des navets. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme navets qui sortent, hein, je n'aurais pas dire, mais bon, moi, ça fait longtemps que je vais pas au cinéma. Ou alors, quand j'y vais, c'est pour voir des reprises. Parce que là, franchement, bon, le cinéma, c'est pareil. Hein. Enfin, bref, mais il y a des gens, il faut qu'ils aillent voir un navet toutes les semaines. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Alors, allez, donc j'en suis à la troisième dose. Sinon, là, ce qui est dramatique, c'est les gens qui sont obligés de s'injecter ça pour aller bosser. Ça, c'est dramatique. On va regarder l'histoire de la troisième dose. Qu'est-ce que ça peut provoquer comme réaction? Ouais, force renversée, roue de fortune. Bah, les gens sont pas contents. Hein. Là, ils sentent vraiment qu'on leur impose quelque chose qu'ils n'étaient pas d'accord. Hein. Il y a beaucoup de gens là qui commencent à descendre dans la rue ou à gueuler. Ils veulent plus obéir aussi facilement qu'avant. Ouais, il y a diable renversé. C'est vraiment une vacherie, une vacherie. Mais là, il y a conscience que c'est une vacherie. La papesse, elle se rend compte, elle sait. Donc, les gens à qui on va imposer ça, d'abord, bon, la roue de fortune, c'est le mouvement, ça bouge, hein, ça bouge, ça descend, ça manifeste, ça, ceci, cela, ça proteste. Enfin bon, ça, on risque vraiment d'aller sur un blocage de la société. Hein. On recouvre.
Oh là là, force et maison Dieu, voyons, bonjour. Hein. Il faut s'attendre à des troubles, des drames même. Hein. C'est dramatique. Hein. Pape renversé. Ermite renversé, amoureux. Là, là, les gens vont se réunir. Moi, je prévois des gens qui descendent dans la rue. Je l'ai déjà vu. Mais là, là, ça va être beaucoup plus, plus radical. Et plus il va imposer de doses, et plus il y a des gens qui vont se réveiller. Je dis pas, alors vous attendez pas à voir 66 millions de personnes descendre dans la rue avec je sais pas moi, avec le fusil et les barricades. Hein. On n'est plus au temps de Victor Hugo, on n'est plus en 1830, la barricade là au coin de la rue Saint-Denis, la garde nationale, et hop, vas-y, on tire, Gavroche qui va chercher les balles. Bon, ça c'est fini, hein. C'est plus comme ça que ça se passe. Enfin, bon, on regrette ou pas, mais en tout cas, pourquoi je disais ça? Je disais ça parce que on a cette image romantique du peuple qui descend dans la rue, des millions et des millions. Non, c'est pas des millions de personnes. Les révolutions, ça se fait avec 100, 150 hommes, pas plus. Le reste suit. Vous voyez, les gens, ils attendent un leader. Ils attendent. C'est pour ça que Zemmour, il a autant de succès. Enfin, il faudra que je parle de Zemmour, mais je sais pas, ça va faire encore une levée de bouclier, ce truc-là. Je sais pas ce que ça va donner. Mais enfin, bon, je vais essayer de réfléchir à ça. Mais en tout cas, les gens n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir un leader qui puisse suivre. Donc, si vous avez des leaders, vous avez une centaine d'hommes, ça suffit. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir des milliards de gens dehors. Hein. Il suffit d'en avoir une centaine qui soit très déterminée et les autres vont suivre. J'en avais déjà parlé de ça. Bon, pour moi, la troisième dose, c'est non. C'est-à-dire qu'elle va être imposée brutalement pour ne pas changer par les médecins et les dirigeants véreux. Hein, Big Pharma est là. Toute la clique des médecins de Téloche, elle est là. Évidemment, il y a tout ça, il y a secret d'initié. Mais ce qui est marrant, c'est que je me demande si on va même les écouter comme... on n'est plus en 2020. Hein, voilà, route fortune sur route fortune. On essaye, le pape renversé là, essaye de juguler la contestation grandissante, mais bon, diable renversé, évidemment, c'est la répression pure et dure et sournoise, malveillante hein, de ces gens-là, de Fantomas. Mais l'amoureux arrive par-dessus, donc on prend la voie du cœur, et la voie du cœur, c'est de se dresser, c'est de dire non, hein, je veux dire, même si on dit ah oui, il n'y a rien qui se passe, c'est pas vrai, il y a des choses qui se passent. Mais c'est par petits bouts, vous voyez, il y a des signes. Ah tiens, là ici, il y a un truc qui se passe. Il y a la Martinique. Là, il y a des proviseurs, tout ça, qui font des pétitions. Là, ça commence à se réveiller. Bon, n'oubliez pas que le peuple est absolument seul, que les syndicats aux abonnés absents, l'opposition des députés aux abonnés absents. Donc c'est très, très difficile comme situation, vous voyez. Hein, le peuple est absolument seul face à son destin. Et là, on commence à avoir des ralliements, des choses, vous voyez, qui bougent. Bon, voilà. Alors, on va passer... Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais noté la secret... Ah oui, alors celle-là, elle n'est pas triste, hein, quand même. Levée du secret médical à l'école et vaccination des enfants hein, dans la foulée, puisque ça, c'est leur grand délire, c'est de vacciner les enfants. On regarde donc la levée du secret médical et surtout la vaccination. Donc, on va faire deux tirages. Alors, levée du secret médical à l'école, est-ce que ça va passer comme une lettre à la poste? Le Monde. Ouais, je crois pas. C'est marrant, j'ai un truc qui... C'est complètement idiot, mais... Je me demande s'il ne va pas y avoir des tribunes dans Le Monde, le journal. Pourquoi ça m'est venu comme ça hein. Ah non, l'empereur, non. Là c'est droit en plus, hein. Arkansas, non. On ne touche pas aux enfants. Ça, c'est le corps enseignant. Non. Non, non. Non, non. Si vous voulez, les velléités comme ça de malveillance par rapport aux enfants sont prises en sandwich entre les grands idéaux, les idéaux vraiment... nobles
Et la rectitude. Rectitude, ça me fait penser à recteur. Si vous voulez, le corps enseignant va se montrer digne. Hein, les proviseurs, les recteurs, les inspecteurs d'académie, tout ça va se réveiller, ils vont se montrer dignes, ils vont enfin rejoindre leurs valeurs humanistes. Enfin, quand même, il serait temps. Hein. Parce que, au fond, si vous voulez, c'est des gens qui ont été sincères, qui ont. Il y a des gens hein, qui croient, bah oui, le gouvernement, il veut notre bien, nanani, nanana. Là, on va s'apercevoir que ça dérape. Donc, ça va prendre en sandwich, ça et ça. Donc, pour moi, c'est non. Ça, c'est échec. Pour eux, c'est échec. Pour Fantomas et la clique, c'est échec. Alors, après, on regarde. On veut absolument vacciner les enfants. Ça, je sais que c'est un truc qui fait bouillonner de colère des millions de gens. On va regarder ça. Je crois que c'est de 5 à 11 ans, j'ai entendu, mais c'est complètement délirant, quoi. Je veux dire, attends. La question est de savoir jusqu'à quand des parents vont accepter ça, quoi. Je veux dire, bon, attends, on va regarder, hein. On va regarder. Cette fameuse vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Ouais. Alors, tempérance. Je les ramasse. On les voit un peu. Je recule ce bazar. Qu'est-ce que j'ai? Le chariot. Bizarre ce jeu. On essaye d'imposer, hein, on essaye d'imposer quelque chose sur les enfants. J'ai quand même deux cartes là, tempérance et pendu renversé. Je sais pas trop quoi en penser. C'est pas très fort comme jeu. Je vois pas des. C'est marrant, je vois pas des files d'attente d'enfants et puis hop, la piqûre. Non, je vois pas ça comme ça. En fait, vous savez, tout dépend de l'attitude des parents. Vous avez des parents qui sont complètement nouilles, excusez-moi, et qui croiront bêtement ce qu'on va leur dire sans faire marcher un petit peu leur comprenette. Et puis vous avez d'autres parents qui diront ça jamais, jamais, jamais. Le chariot, il combat, hein, c'est un combattant, hein. Notamment les mères. Et là, voilà l'enfant, voilà le jeune, c'est pas forcément des bébés, vous voyez, c'est des jeunes, des petits, mais entre 5 et 11 ans, vous voyez, c'est des enfants, quoi. Donc là, vous en avez une partie des parents qui diront jamais de la vie, qui protégeront les enfants, et ça sera non. Malheureusement, vous allez avoir des andouilles, des crétins, excusez-moi, mais bon, alors il y en a qui. J'espère que je ne vais pas me faire incendier. Mais franchement, s'il y a des parents qui disent, ah bah oui, faire vacciner mon gosse, je sais pas à quoi, réfléchissez, vous voyez bien que. Vous voyez bien qu'on se fout de vous. Enfin, je sais pas. Bon, excusez-moi. Bon, allez, je continue. Leur lune renversée. Bon, ça, c'est pas bon. Hein. Ça fait mauvais ménage avec l'enfant. La lune représente la petite enfance. Hein. Alors, elle est renversée. C'est pas bon, là. La tempérance représente les soins de santé, les soins. La lune renversée. Ensemble renversée, c'est pas bon pour les jeunes. Hein. C'est pas bon pour les enfants, les petits. Là, les. Surtout. Enfin, c'est bon pour aucun enfant. Alors, c'est marrant parce que Chariot, on dirait qu'il balaye l'ermite renversée, lui dit allez, arrête avec des salades. Il y a une partie qui croira plus un mot de ce que raconteront les toubibs, y compris les médecins, voyez, médecins d'entreprise, les médecins scolaires, tout ça. Ça passera plus. Hein. Lui, le Chariot, il va le dénoncer. Hein. Il va dire ça c'est une ignominie. On veut vraiment asservir les enfants. Le soleil. Victoire pour les enfants. Tac. Le soleil,
Il y aura là toujours la victoire sur celui-là. Lui, regardez, il désunit, il divise, il sépare, et le soleil, il réunit. Donc, victoire pour les enfants. Moi, je pense que vous aurez quand même de telles réactions que ça ne pourra pas se faire réellement. Ceci étant, vous aurez quand même, et malheureusement, des parents qui iront le faire. Ben voilà, quoi, c'est à leurs risques et périls, enfin, pour leurs enfants. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, vous savez, bon, c'est quand on est crédule et qu'on est crédule, qu'on croit et qu'on se pose pas de questions, ben voilà, quoi. Il est là le problème. Et là, il faut réfléchir, il faut réfléchir. Réfléchir à ce qu'on va faire, parce que c'est pas. C'est quand même, en plus, c'est un enfant. Ce truc est pas bon, vous voyez. C'est pas bon pour les jeunes, ça. C'est pas bon pour les enfants. Peut-être des personnes de 80 ans, c'est autre chose, c'est différent. Mais des jeunes comme ça, non, 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 non. Donc, il y aura quand même un sursaut de conscience avec le chariot qui irait. La plupart des enfants, si vous voulez, seront protégés, sauvés, protégés et sauvés. Mais attention, hein, pas tous. Je dis, tout dépendra des parents, de l'attitude des parents et du niveau de conscience des parents. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter là la vidéo. J'aurai sans doute le temps de vous en refaire une avant, parce qu'avant le 30, là, on est le 23. Oui, j'aurai le temps de vous en refaire une. Hein, donc, on suit l'actualité. Et puis, c'est. Eh bien, écoutez, ceux qui sont partis en vacances, reposez-vous bien. Ceux qui ne sont pas partis, bah, profitez quand même de l'instant présent et de la vidéo que je vous fais. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt et bonne soirée. Au revoir.